Mississauga. Questions orales. La chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les députés lors de la première question orale de ce Parlement et félicitations au Président pour votre élection à votre rôle important. Ma question s'adresse au Premier ministre. La population mérite un Premier ministre qui ne s'attache pas aux lobbyistes et quelqu'un qui parle honnêtement à la population. Au lieu de cela, ce premier ministre n'a même pas est à peine ici depuis 3 semaines et dit déjà aux Ontariens une chose et fait tout le contraire dans les coulisses. Pourquoi est-ce que le premier ministre a dit que le chef de direction de Hydro One recevrait zéro lorsqu'il savait que le chef de direction s'en tirerait avec des millions de dollars? Monsieur le Président, félicitations et félicitations à la chef de l'opposition. J'aimerais lui rappeler, lorsque nous étions en campagne, que nous voulions nous débarrasser du chef de la direction et du conseil d'administration. Les médias ont dit que cela coûtait des dizaines de millions de dollars. Moi, je suis ici pour vous dire qu'il n'y a eu aucune compensation donnée à ce chef de la direction. On nous a donné un mandat clair pour diminuer les taux d'électricité de 12 % et c'est ce que nous allons accomplir. Contrairement à la chef de l'opposition, le mois prochain, si vous étiez responsable, il y aurait 7 000 personnes sans emploi à l'établissement d'électricité de Pickering. Vous alliez fermer Hydro et il y aurait eu 7 000 personnes sans emploi. Merci. Intervention du Président. Merci beaucoup. Il semble que le premier ministre a été aussi honnête dans cette chambre que durant la campagne électorale. Intervention du Président. Je dois demander à la chef de l'opposition officielle de retirer ce commentaire. Le premier ministre a dit que la rémunération à Mayo Schmidt serait de 0 $. Mais maintenant, nous savons que Mayo Schmidt va s'en tirer avec des incitatifs qui valent au moins 9 millions de dollars et peut-être même encore plus. Est-ce que le premier ministre nous dira, il dira aux Ontariens ce que cela va coûter avec son entente en coulisses, ce que cela va coûter aux contribuables? Premier ministre, Monsieur le Président, encore une fois, merci de la question. Je veux tout simplement vous rappeler que le PDG de Hydro One va recevoir zéro comme rémunération dans 2017-2018 avec le gouvernement libéral, avec votre soutien. Vous leur avez permis d'avoir des options d'achat d'actions et c'est de cela que vous parlez, mais le PDG de Hydro One va avoir les mêmes avantages que tout autre employé. Et le PDG, on s'en est débarrassé, le conseil d'administration, on s'en est débarrassé, va baisser les tarifs d'électricité de 12 % des tarifs qui sont les plus élevés en Amérique du Nord. Dernière complémentaire, je voudrais rappeler au premier ministre de cette province que les néo-démocrates sont le seul parti qui s'est dressé contre la privatisation d'Hydro One. Et nous allons toujours être pour un système public, contrairement aux conservateurs qui ont commencé la privatisation de l'électricité dans notre province alors qu'ils étaient au gouvernement la dernière fois. L'homme de 6 millions de dollars de Mme Wynne est maintenant l'homme de M. Ford de 9 millions de dollars. Grâce à cette entente en coulisses, que les conservateurs ont signé derrière les portes closes. Et il est temps maintenant pour le premier ministre d'être franc avec les Ontariens. Combien est-ce que cette entente a réellement coûté et quand est-ce qu'il va divulguer cette information?
Premier ministre, Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné tout au long de la campagne électorale, nous avons dit très clairement aux Ontariens qui nous ont donné le mandat de réduire les tarifs en électricité de 12 %. Et c'est justement ce que nous allons faire. Nous tournons la page en ce qui concerne Hydro One. Et je veux rappeler au public que si vous auriez été élu, les tarifs d'électricité auraient doublé. Intervention du président. Chef de l'opposition officielle pour une deuxième question. Ma deuxième question est aussi au premier ministre. Il s'agit de la responsabilité du premier ministre de faire plus que de tout simplement répondre aux lobbyistes et d'avoir des ententes derrière les coulisses. Mais depuis que ce premier ministre est au pouvoir, nous voyons qu'il signe des ententes dans les coulisses dans le meilleur intérêt des lobbyistes et des gens proches du parti, non pas des Ontariens. Il permet de donner des ententes et des incitatifs à certaines personnes bien placées. Pourquoi est-ce que le premier ministre permet aux gens proches du parti d'avoir plus et non pas les Ontariens? Au premier ministre, par le biais de la présidence, je voudrais rappeler à chef de l'opposition que nous sommes ici pour la population. Nous sommes ici pour assurer des baisses d'impôts, créer des emplois, réduire les tarifs en électricité et de faire en sorte que l'Ontario puisse être prospère. Nous allons créer des milliers d'emplois bien rémunérés et de remettre de l'argent dans les poches des contribuables au lieu de la mettre dans les poches du gouvernement. Je sais que les néo-démocrates croient à un gouvernement plus étanche, plus vaste, mais nous croyons dans un gouvernement qui est plus efficace. Chef de l'opposition, complémentaire, lorsque le premier ministre a annulé le système de plafonnement et d'échange, il a fait cela pour les grands pollueurs. Il rembourse des entreprises pour. Il va devoir rembourser des entreprises pour des milliards de dollars à la suite de cette entente. Et ce sera un grand coup pour les Ontariens. Et ça va nuire aux Ontariens, cette annulation du système de plafonnement et d'échange pour des années à venir. Quel lobby lui ont-ils demandé de le faire au premier ministre? Monsieur le Président, chef de l'opposition, nous avons fait campagne sur l'annulation du système de plafonnement et d'échange, sur la taxe sur le carbone. Et je voudrais rappeler à la chef de l'opposition que nous allons épargner 790 millions de dollars en annulant ce système. Nous allons épargner 285 $ par famille et nous allons remettre cet argent dans les poches des contribuables au lieu de la prendre au sein du gouvernement. Nous allons respecter les contribuables pour les quatre prochaines années. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, la question est à savoir combien de milliards de dollars est-ce que cela va coûter pour annuler ces contrats? Monsieur McGuinty nous a dit que ça allait coûter 40 millions de dollars pour annuler deux centrales au gaz et ça allait coûter 1,1 milliard de dollars. Donc, on a hâte de voir ce que ça va coûter avec ces nouvelles décisions. Les décisions après décision ont été conclues par le premier ministre pour les amis proches du gouvernement, tels que Tania Granick-Allen, et de revenir en 1998 avec l'annulation du programme d'éducation sexuelle. Ça n'aide pas les étudiants à risque et ça ignore nos responsabilités d'enseigner les pratiques de consentement et de pratiques sexuelles saines dans nos écoles. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne se préoccupe pas de la sécurité des jeunes? Pourquoi est-ce qu'il se préoccupe plus des lobbyistes que de protéger les jeunes personnes dans cette province? Premier ministre, Monsieur le Président, à la chef de l'opposition officielle, nous avons été très clairs, nous allons gouverner pour le peuple au lieu de gouverner pour le gouvernement. Nous allons
leur assurer une baisse d'impôts et de permettre aux petites entreprises qui ont été prises avec plusieurs difficultés à la suite des mesures non concurrentielles de la part du gouvernement libéral. Ça l'impose un fardeau sur les contribuables aussi. Avec ces initiatives des libéraux, nous allons annuler le système de plafonnement et d'échange. Nous allons réduire l'essence, le prix de l'essence de 10 cents le litre pour remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Personne n'a voté pour que les entreprises puissent conclure des ententes en coulisses. Personne n'a voté pour cela. Et personne n'a voté pour que l'Ontario puisse retourner en arrière. Mais c'est ce que le premier ministre a fait. On a divulgué qu'il avait décidé de mettre fin à l'unité d'enquête spéciale et la loi qu'il assurait. Et maintenant, avec les outils de surveillance pour améliorer la redevabilité, la confiance du public est à la suite de 2 ans de consultation et de 2 rondes d'audience devant les comités. Mais le premier ministre a ignoré tout cela et a ignoré l'intérêt des Ontariens. Qui a fait lobby auprès du premier ministre pour annuler ces règles sur la surveillance policière des agences de police? Au premier ministre, aux services communautaires et aux services correctionnels, à la ministre, au ministre plutôt, ministre pour la sécurité communautaire. L'unité d'enquête spéciale, c'est quelque chose auquel on se penche dessus. Et je reçois de l'information à présent là-dessus, donc je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner, mais je vais vous donner plus d'informations lorsque je pourrai y répondre et j'aurai plus d'informations moi-même. Complémentaire, c'est un peu inquiétant que nous avons un ministre responsable qui ne connaît pas le dossier et il n'a même pas tenté de répondre ici dans cette chambre. Les néo-démocrates se sont dressés pour les communautés, pour appuyer une mise à jour des lois pour avoir plus de surveillance et de protéger les citoyens. Les consultations ont duré plus de 2 ans et il y a eu 1 500 mémoires de la part des agences de police et plus. Et le gouvernement a pris un autre an et a eu 2 rondes d'audience avec les comités. Ce n'était pas parfait, mais même le chef de police de Toronto a dit qu'il accepte un plus grand besoin pour une plus grande redevabilité, une plus grande transparence. Donc, qui a fait du lobbyisme auprès du premier ministre pour ignorer les Ontariens et d'arrêter ces règles de surveillance? À la procureure générale, je voudrais remercier la chef de l'opposition. Ministre de la Sécurité communautaire et services correctionnels, est-ce qu'il veut répondre ou est-ce qu'il veut renvoyer la question à quelqu'un d'autre? Oui, je la renvoie à la procureure générale. Merci, M. le Président. Et je voudrais remercier le chef de l'opposition de sa question et de la féliciter pour sa victoire. Nous avons mis un arrêt sur cette loi pour que nous puissions avoir une révision de la législation et d'avoir des consultations avec les agences de police et avec le public, et c'est ce que nous avons fait. Nous voulons travailler avec les intervenants de première ligne pour que nous puissions avoir la meilleure réponse sur ce dossier. L'enquête est toujours en place, donc la commission d'enquête spéciale est toujours en place et continue de faire son travail. Mais nous avons mis un temps d'arrêt sur la loi. Nouvelle question, député de Perth Wellington. Merci, M. le Président. Félicitations à vous, M. le Président, de votre élection. Je sais que vous êtes quelqu'un de très dévoué envers cette Chambre et quelqu'un de très compétent. Ma question est au ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs.
et je voudrais féliciter le ministre de son nouveau poste, le premier ministre, et la campagne pour la population a fait campagne pour une vie qui est plus abordable pour les contribuables et un plus grand respect pour les contribuables, et ça a commencé avec une annulation du système de plafonnement et d'échange qui n'a pas protégé l'environnement. Tout ce que cela fait, c'est d'augmenter le prix de l'essence et le prix de l'épicerie et des vêtements. Est-ce que le ministre pourrait nous donner une mise à jour en ce qui concerne cette annulation du système de plafonnement et d'échange et les économies qui en seront assurées avec cette annulation? Ministre de l'Environnement, merci, M. le Président. Merci aussi au député de sa question. Je voudrais féliciter le député de Perth-Wellington d'avoir été réélu. Et je sais qu'il est un expert et un très bon représentant de ses commettants. Comme le premier ministre l'a déjà mentionné, nous travaillons très rapidement pour annuler le système de taxation du carbone des libéraux. Nous allons présenter une loi pour continuer ce travail. D'annuler la taxe sur le carbone va permettre aux familles d'économiser 285 $ est une première étape sur la voie pour réduire l'essence de 10 cents le litre. Nous avons reçu un mandat très clair de la part des Ontariens pour annuler cette taxe. Et donc, promesse faite, promesse tenue. Complémentaire, député de Perth-Wellington. Merci, M. le Président. Encore une fois, au ministre de l'Environnement, de la Conservation, de la Protection de la Nature et des Parcs, je suis content que le gouvernement de la population livre sur ses promesses. Alors que je fais du colportage et je cogne de porte à porte, j'ai entendu à maintes reprises que la vie était rendue moins abordable en vertu de l'ancien gouvernement. Et je suis content de voir que nous allons abroger le système de plafonnement et d'échange. Malheureusement, des autres partis dans cette Chambre n'arrêteront à rien pour réimposer cette taxe sur le carbone. Comme un député l'a mentionné, qu'il va lutter bec et ongle pour la remettre en œuvre et ça va augmenter le prix de l'essence en moyenne de 30 litres de 30 cents par litre. Est-ce que le ministre va pouvoir nous dire ce qu'il va faire pour protéger les Ontariens contre une taxe à l'avenir sur le carbone? Merci de la complémentaire. Par la présidence, nous avons été très clairs, notre gouvernement a été très clair, aucune taxe sur le carbone maintenant et aucune à l'avenir. Les gens ne peuvent pas se permettre d'en payer une aujourd'hui ou à l'avenir, donc ils ne la paieront pas à l'avenir. Nous allons déposer un projet de loi pour annuler cette loi sur la taxe sur le carbone et nous allons nous opposer à toute taxe à l'avenir par le gouvernement fédéral. Et alors que l'opposition pense peut-être qu'ils sont là pour réimposer cette taxe, mais nous allons lutter contre eux parce que ça va permettre aux contribuables d'avoir 285 $ de plus dans leur poche et ça va leur permettre de faire en sorte que la vie soit plus abordable. C'est un vrai changement pour la population. Merci. Next question, member for Nouvelle question, député de Toronto, Danforth. Ma question est au premier ministre. Vendredi, le ministre de l'Énergie a annoncé qu'il allait annuler 768 contrats d'énergie renouvelable qui ont été signés par le gouvernement provincial. Nous ne savons pas pourquoi ils ont choisi ces contrats, parce que les décisions ont été prises en coulisses. Nous savons que ces projets sont de la propriété des municipalités, des services publics, des agriculteurs, des commissions scolaires et des Premières Nations. Et le premier ministre dit qu'il va adopter des lois pour remettre les frais à ces communautés locales. Est-ce que le premier ministre peut nous dire quels coûts feront-ils face et ce qui sera imposé sur les agriculteurs, les Premières Nations et les ménages de l'Ontario suite à ces décisions prises en coulisses? Ministre de l'Énergie, c'est une première chance de prendre la parole dans cette Chambre et aussi ça me permet de remercier mes commettants de Kenora Rainy River. Et je prends aussi la place de M. Bernie
Il y a un grand enthousiasme dans le Nord d'annuler des ententes de la part du gouvernement libéral qui a mené à plusieurs dépenses et du gaspillage. Cette initiative d'annulation de ces contrats va permettre des épargnes de 768 millions de dollars. C'est une des premières étapes pour assurer que nous puissions assurer des épargnes pour tous les contribuables de l'Ontario en ce qui concerne les tarifs en électricité. Complémentaire, député de Toronto Danforth. Merci, M. le Président. Encore une fois, au premier ministre, une des municipalités touchées, c'est la communauté de Blind River dans la circonscription d'Algoma-Manitoulin. Il y a 8 ans, le ministre de l'Énergie a applaudi un emprunt et la ville est maintenant près de plusieurs millions de dollars en dette, 10 millions de dollars. Au lieu de permettre à la ville de s'en remettre, le ministre fait en sorte que la situation empire. Au lieu de prendre des décisions en coulisses et d'imposer des coûts sur les petites villes, les petites communautés et les Premières Nations, pourquoi est-ce que le ministre ne fera pas une révision de ces contrats à la suite d'un processus transparent et selon l'intérêt des Ontariens? Ministre, c'est une question très intéressante sur le nord de l'Ontario venant de quelqu'un du centre-ville de Toronto. Laissez-moi vous dire d'avoir travaillé pendant plusieurs années pour les gens du nord de l'Ontario. C'était un temps moins abordable. Les gens devaient prendre des choix entre chauffer leur maison et manger. Et la promesse de cette plateforme et du premier ministre Ford était de réduire les tarifs d'électricité. Et voilà ce que les Ontariens du Nord se sont concentrés dessus. Et voilà ce qu'ils ont dit le 7 juin. Et c'est justement ce que nous allons faire. Merci, M. le Président. Question. Le député de Brampton Sud. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre de la Santé. J'aimerais commencer en félicitant la ministre d'avoir cette responsabilité importante. Je sais qu'elle va faire un bon travail pour les concitoyens et la population ontarienne. J'étais très fier de voir que le gouvernement pour la population n'a pas gaspillé du temps, s'est retroussé les chambres et trouvé des moyens. Comment s'assurer que les contribuables reçoivent des programmes de façon efficace et de la valeur pour leur argent. Et c'est prouvé par le changement positif du gouvernement pour la population qui a fait des changements à l'assurance Santé Plus pour faire des épargnes sans mettre en danger les services. Monsieur le Président, est-ce que la ministre de la Santé peut mettre à jour les changements au programme Assurance Santé Plus, la ministre? Merci, Monsieur le Président, et merci au député pour sa question. Moi aussi, j'aimerais féliciter le député de Brampton Sud du fait qu'il a été élu par ses concitoyens et de la confiance qu'ils ont placée sur lui. Dans les jours après avoir été assermenté, notre gouvernement a passé au geste pour réparer le programme d'assurance santé plus pour couvrir ceux qui n'ont pas. Les enfants et les jeunes qui n'étaient pas couverts par les régimes privés vont continuer à recevoir leurs médicaments gratuitement. Et je répète, les jeunes et les enfants qui ne sont pas couverts par les régimes privés vont continuer à recevoir les médicaments gratuitement. Un nouveau système plus efficace va épargner de l'argent des contribuables et le nouveau régime va dévouer des ressources précieuses à ceux qui en ont besoin le plus. Le plus important, cela assure que les jeunes et les enfants qui ont besoin des médicaments vont les avoir là quand ils auront besoin. Question complémentaire? Monsieur le Président, je reviens à la ministre de la Santé. Merci pour ces mots très bienveillants. Je suis très fier du fait que la population de Brampton Sud m'a donné leur confiance et je ne vais pas les décevoir. Je suis content de voir que le gouvernement pour la population travaille pour épargner de l'argent sans compromettre les services que les familles et les enfants ont besoin d'avoir.
C'est très bien d'entendre que les enfants et les jeunes vont continuer à recevoir les médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin. Est-ce que la ministre de la Santé peut dire aux députés de cette Chambre comment et quand ils travaillent avec les assureurs pour faire ces changements et épargner l'argent des contribuables? Réponse la ministre. Merci, Monsieur le Président. Depuis que les régimes d'assurance peuvent couvrir que les 4 400 d'assurance santé plus, les jeunes et les enfants vont avoir accès à plus de médicaments qu'ils ont présentement. On a donné aux assureurs une période qui est terminée le 1er juillet. C'est pourquoi on a dû avancer. On a demandé à avoir une période pendant plus long et les assureurs ont été d'accord et l'Association canadienne de santé et soins de longue durée a commis. On va aller au-delà du 1er juillet. On travaille avec l'Association des assureurs pour avoir une bonne transition et que les jeunes puissent avoir les médicaments nécessaires. Merci. Question suivante. Le député de Kitchener. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pourquoi est-ce que le gouvernement a laissé tomber la réconciliation du mandat du ministère des Affaires autochtones et quelle est derrière la décision que le ministre partage son temps entre l'énergie, le développement du Nord et des mines, aussi bien que les affaires autochtones? Le Premier ministre? Le ministre des Affaires autochtones, merci. Et Meg Whitch, au député, je le félicite d'avoir gagné la région du nord-ouest de l'Ontario, qui est proche de mon cœur, quand j'étais avant le député pour la circonscription de Kenora. J'étais en tant qu'infirmier avocat dans ces collectivités. Monsieur le Président. On a eu une campagne qui reflétait les besoins de tous les Ontariens et on apprécie la vérité et la réconciliation qui représente un chapitre noir de notre histoire. Et par la suite, on va suivre les principes de la vérité et de la réconciliation, mais on va s'assurer que les Premières Nations partagent la prospérité des autres. On va avoir le partage des recettes avec les municipalités, les collectivités autochtones, en particulier dans le nord de l'Ontario. On va s'assurer que ces autochtones puissent avoir accès à la prospérité qu'on s'attend tous à avoir. Question complémentaire? Merci encore une fois. Les Premières Nations sont concernées de reculer dans la réconciliation que le gouvernement a fait. Le grand chef Alvin Fidley a dit, c'est difficile de voir comment le progrès peut continuer quand les Premières Nations sont réduites tout simplement à comment ils ont la relation à la capacité du gouvernement d'avoir aux ressources dans nos terres. Pendant notre campagne, le Premier ministre a dit qu'il serait là, se mêlerait pour avoir le cercle de feu. Il a dit aussi qu'il arrêtait de parler et commençait à faire des choses. Mais de la perspective des Premières Nations, la seule chose qu'il faut commencer à faire, quoi que ce soit, dans nos territoires et vos territoires, c'est de commencer à parler aux gens de nos territoires. Monsieur le Président, comment est-ce que le Premier ministre propose de le faire avec un ministre à temps partiel? Le ministre? Merci, Monsieur le Président. Je peux assurer aux députés d'en face, il n'y a rien de temps partiel quant au dévouement et aux aptitudes que j'apporte à ce dossier. Ce ministère est tout seul avec un ministre qui a passé de plus de 8 ans en vivant et en travaillant dans des collectivités autochtones, la plupart dans le nord-ouest de l'Ontario, mais partout au Canada. J'ai une bonne relation avec les chefs autochtones et il y a des gens qui sont mes meilleurs amis dans la région et on va s'assurer que les Premières Nations partagent la prospérité. Le député a mentionné le cercle de feu. Ces collectivités font plus que juste parler, travaillent avec le secteur
privé en créant des enjeux économiques et des emplois dans ces collectivités isolées. Il est bien temps de livrer ces promesses pour la prospérité pour les collectivités autochtones. Merci. Thank you. Members, please take this. Merci. Veuillez vous rasseoir. Le député d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. Félicitations pour votre élection et ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, félicitations pour votre élection et le mandat de votre gouvernement. Et félicitations à tous les députés de cette Assemblée de votre élection. Notre groupe parlementaire va travailler avec vous tous au meilleur intérêt des familles ontariennes. Monsieur le Premier ministre, pendant la campagne, on n'a rien entendu quant au plan du Parti conservateur quant au changement climatique. Est-ce que vous croyez c'est important pour votre gouvernement d'avoir un plan qui contre le changement climatique. Oui ou non? Le Premier ministre, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, et je remercie aux députés de la question, notre priorité, c'est bien sûr de revenir notre économie à l'énergie qu'elle avait avant, mais on comprend que le changement climatique est vrai et que la population, l'homme, a joué un rôle. Et nous allons avancer un plan pour assurer que l'économie ontarienne a beaucoup d'énergie, est très forte, mais aussi on comprend l'impact de notre propre impact en tant qu'être humain sur le changement climatique. Cela ne va pas inclure une taxe sur le carbone régressive. Question complémentaire? Merci pour votre réponse. Monsieur le Premier ministre, si l'environnement et le changement climatique étaient importants pour vous, ça aurait été dans le discours du trône. Le changement climatique est le défi de notre génération. C'est ce qu'il faut faire pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Et il est possible pour un conservateur d'avoir un plan pour un défi environnemental. Dans les années 80, Barry Mulroney, premier ministre conservateur, et un autre conservateur, Ronald Reagan, que vous connaissez, avait une réponse au changement, aux défis climatiques de l'époque, la pluie acide. Ils avaient un plan. Monsieur le Premier ministre, je veux vous demander quel est votre plan contre le changement climatique. On peut juste déchirer et ne pas le remplacer par quelque chose. Il n'y a pas une option de ne rien faire. Quel est votre plan, Monsieur le Premier ministre? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature. Monsieur le Président, on apprécie la confiance du député à des administrations conservatrices précédentes. Ce gouvernement va dévoiler un plan qui comprend l'importance du changement climatique, mais on va le faire d'une façon qui maintient la croissance économique nécessaire. Il comprend qu'une taxe régressive sur les particuliers, un impôt régressif que les gens ne peuvent pas conduire leur voiture, n'est pas efficace ou une façon sincère de résoudre. Mais on va avoir un plan bientôt. La députée de Glengarry-Prescott-Russell. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Développement économique, création d'emploi et de la formation. Je veux féliciter le député quant à son nouveau rôle. Je sais qu'il va faire un travail incroyable pour mettre les emplois d'abord, pour créer de bons emplois. Monsieur le ministre, nous savons que les emplois qui dépendent du commerce et de nos amis américains et nos voisins. Des travailleurs au métallo à Sault-Saint-Marie, au secteur automobile, il y a tellement d'industries et de collectivités qui dépendent du commerce avec nos partenaires américains. Est-ce que le ministre peut nous dire que certaines des mesures qu'il va prendre pour protéger ses emplois et d'être côte à côte avec les Ontariens et Ontariennes de toute la province? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Félicitations, Monsieur le Président, et félicitations à l'honorable député. Merci pour la question. Vous allez faire un bon travail pour la population de Glengarry-Prescott-Russell. Monsieur le Président, l'Ontario est propice aux affaires encore une fois. Et le Premier ministre Ford, dans un premier geste en tant que Premier ministre, élu, a dit qu'on serait côte à côte avec nos cousins fédéraux
sur la question des commerces des cousins et que je dois clarifier cela. Et une des premières choses qu'il a fait et que j'ai fait, c'est d'avoir des réunions avec le gouvernement fédéral quant aux négociations de l'ALENA. 1 sur 5 emplois en Ontario, 1,3 million d'emplois dépendent des bonnes relations avec les États-Unis et nos relations commerciales. Et aux États-Unis, on veut y aller cette semaine pour rendre clair que 9 millions d'emplois dépendent d'un bon résultat avec l'ALENA. Et c'est ce qu'on va faire en fin de semaine. Merci. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je reviens au ministre de Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Depuis 15 ans, l'économie ontarienne a eu des problèmes sur le poids de paperasse administrative, des tarifs d'électricité très élevés et d'imposition fiscale injuste qui nous a mis en désavantage. Sous le gouvernement précédent, il y avait des emplois et des investissements qui sortaient de notre province. Et je suis sûr que vous et votre ministère, vous prenez des mesures pour maintenir des emplois en Ontario, mais aussi d'investir plus de création d'emplois et d'investissements. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment son gouvernement pour la population s'assure que l'Ontario est encore une fois propice aux affaires? Comme j'ai dit, à la fin de cette semaine, j'irai aux États-Unis pour comparaître pendant un comité de commerce. C'est un sans précédent que l'Ontario, en tant que gouvernement supranational, comparaisse. Et la façon comme on est propice aux affaires, c'est de maintenir la frontière ouverte entre les États-Unis et l'Ontario et le Canada. 85% de nos voitures vont aux États-Unis. Et les parties, les pièces détachées vont dans des régions 7 fois avant qu'on le mette dans une voiture du côté américain ou canadien. Si cette relation commercial n'est pas bien, 9 000 voitures ne seront pas faites, 9 millions de voitures qui ne sont pas faites. On fait 2 millions par année. Il y a des milliers de familles qui ne pourraient pas se nourrir. On compte sur les bonnes relations avec les États-Unis. Le premier ministre Ford l'a mis en mouvement et on va travailler avec les gouverneurs pour ouvrir les frontières, pour avoir de bons emplois. Thank you. Merci. Veuillez vous rasseoir. La députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Et félicitations, c'est bien de vous voir en tant que président. Ma question s'adresse au Premier ministre. De mettre le ministère des Affaires civiques et d'immigration après coup, même si on a enlevé le ministère, mais les enjeux sont toujours là. La plupart des demandeurs d'asile ne sont pas illégaux et donc, vous essayez de diviser les gens. De dire que les gens sont des illégaux, c'est vraiment époustouflant et n'enlève pas la responsabilité de ce gouvernement. La décision de ce gouvernement d'enlever des services d'établissement pour les réfugiés et les immigrants va mener à plus de coûts. Et de ne pas répondre à cette crise humanitaire ne répond pas aux valeurs et met 11 millions de dollars en question. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Pour qui est-ce qu'on va travailler? Je vais demander au Premier ministre clairement. Pour qui vous travaillez? Et est-ce que vous oubliez 11 millions de dollars? La ministre des Services aux enfants et aux jeunes, merci et bienvenue en Chambre et à vous aussi, c'est très bien de vous voir. J'aimerais remercier la population de Nepean de me avoir envoyé ici en Chambre une 5e fois. C'est les gens de partout au monde viennent à Ottawa pour vivre, pour élever une famille et pour prendre une retraite. Ils sont fiers d'être une Ontarienne et d'être une Canadienne et je suis très fier d'être membre du Parti progressiste conservateur où on a élu pour la première fois 2 députés tamouls. Et on a élu le premier député coréen, Raymond Chow, le premier égyptien et 2 députés perses, Golda Meir et Michael Parks et beaucoup d'autres. Et je vais parler du système d'immigration brisé que le gouvernement libéral nous a laissé en question complémentaire. Question complémentaire? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Question complémentaire, la députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au Premier ministre. Rapport après rapport démontre qu'on a
une crise dans le logement et plutôt que de régler cette crise, les gens, ce gouvernement fait de l'alarmisme et blâme les gens, les demandeurs d'asile. Le premier ministre a causé des problèmes. Il a parlé quelques jours avant l'élection avec le maire pour, en leur demandant de ne pas construire un refuge à 2 kilomètres pour des personnes sans-abri qui pourraient aider des itinérants. Est-ce que ce premier ministre pense que c'est approprié pour le premier ministre de l'Ontario d'intervenir dans les plans municipaux pour un gain personnel? La ministre, on a été clair, Monsieur le Président, que le gouvernement fédéral a l'obligation de payer pour ses politiques fédérales qui sont en échec. C'est une situation où on a 800 personnes dans des dortoirs le 9-8 qui doivent être libérées pour que les étudiants puissent y aller. Je demande à la députée d'en face, où est-ce qu'elle pense qu'ils devraient aller? On a 175 millions de dollars de crise pour payer les coûts de logement, 75 des coûts à Ottawa. Et dans mon propre département, ministère, 9 millions de dollars. On va continuer à appuyer la population ontarienne. On a 36 000 réfugiés depuis 2 ans au-delà de la crise des Syriennes. Et quelqu'un doit payer, et le gouvernement fédéral doit payer. Et vous devriez appuyer le Parti conservateur pour parler en parlant au gouvernement fédéral. Reprenez votre siège, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question suivante, la députée de Durham. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Je félicite le député de Kenora-Rainy-Reeve d'avoir été nommé à ce rôle important. Et je sais qu'il va rendre la population de la circonscription de Kenora-Rainy-Reeve très fière. L'héritage du gouvernement précédent, c'était tout un gâchis dans le système électrique. À l'Ontario, on avait des taux les plus élevés pour l'électricité. Quand je suis fait de porte à porte à Durham pendant l'élection, j'ai entendu des plaintes des familles qui devraient choisir entre se nourrir et payer la facture d'électricité. Les familles ne devraient pas être forcées à choisir entre le chauffage et l'alimentation. J'ai entendu des PME qui étaient forcées de fermer les portes et les fenêtres parce qu'ils avaient des tarifs faramineux d'électricité. Mais les initiés du gouvernement précédent s'étaient enrichis et se sont remplis les poches. C'était tout un gâchis qui a commencé avec la loi sur l'énergie verte adoptée par les libéraux et les néo-démocrates. Est-ce que le ministre peut me dire ce que le gouvernement pour la population a fait? Merci. Merci, M. le Président. Je voudrais féliciter la députée de Durham pour sa victoire et sa représentativité de son comté. Cela ne fait aucun doute. L'ancien gouvernement avait une mission qui mettait l'accent sur les énergies renouvelables à des prix exponentiels et que les collectivités et les commettants n'ont pas bien accueilli. On les annule parce que ce sera un nouveau concept pour les nouveaux démocrates et encore inconnu pour les libéraux. Nous allons protéger les contribuables de l'Ontario et que l'actionnaire de l'Ontario, ce sont les contribuables de l'Ontario. Au cours des 2 dernières semaines, il y a eu des activités. Nous allons diminuer la facture d'électricité. Complémentaire. Monsieur le Président, de retour au ministre, merci pour cette mise à jour. Je suis heureuse de voir que le gouvernement pour la population agit rapidement pour nettoyer ce gâchis. C'est une autre promesse faite et une autre promesse tenue. Mais régler le problème de l'hydro ne sera pas facile. Il y a de plus en plus d'offres avec Hydro One. Après 15 ans de scandales, de gaspillage et de mauvaise gestion, la population de l'Ontario a perdu confiance en Hydro One. Je l'ai entendu chaque jour lorsque j'ai fait de la cabale à Durham. Le gouvernement pour la population doit agir rapidement
Est-ce que le ministre de l'Énergie peut donner à la Chambre une mise à jour des mesures prises par le gouvernement pour restaurer la confiance en Hydro One? Merci, M. le Président. Merci au leadership du premier ministre Ford. Nous voulions renouveler le leadership d'Hydro One. Nous avons pris des mesures à cet égard pour s'assurer que les contribuables, les consommateurs seront protégés. Et cela comprend deux mesures prises par mes collègues pour s'assurer que la facture d'électricité diminue. Le renouvellement de la direction de Hydro One va entraîner des économies. C'est pas tout. Nous allons annuler des contrats qui ajoutent un fardeau sur les consommateurs d'électricité. On ne va pas subventionner, on ne va pas donner cette dette aux familles pour qu'il y ait des économies chez les familles et les ménages d'Ontario. Député de London West, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Ce gouvernement et sa décision d'annuler le programme d'éducation sexuelle qui met les gens à risque et les enfants. Nous comprenons que c'est une décision prise à huis clos pour apaiser certains conservateurs sociaux aux dépens de la sécurité de nos jeunes. Le premier ministre va-t-il admettre que la prolongation de ce programme, c'était pour l'avancement de sa carrière sans tenir compte de la santé, du bien-être et de la sécurité des jeunes de la province? Au ministre de l'Éducation, à la ministre de l'Éducation, une fois de plus, c'est bien de vous voir dans ce fauteuil. Pour la première fois que je prends la parole en charge, je voudrais remercier les résidents et mes électeurs. J'ai travaillé très fort au cours des 7 dernières années et cela n'a pas rien changé. Et dans cet esprit, je voudrais échanger avec vous. Contrairement à ce qui a été reporté la semaine dernière, nous allons défendre, appuyer la réalité des étudiants en 2018. Nous savons très bien qu'ils doivent apprendre le consentement. Ils doivent apprendre concernant la sécurité cyber informatique, qui doivent apprécier le programme. Nous savons très bien que l'ancien, que le processus de l'ancien gouvernement a été malmené. Voilà pourquoi nous allons respecter les parents et leur permettre de se faire entendre de façon réfléchie et complète au cours de consultations complémentaires. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. London West supplémentaire. Merci. La prolongation de la loi ou de ce programme d'éducation sexuelle. Et maintenant, le gouvernement veut enseigner un programme avant 1998, avant le ménage pour tous, avant le textage et tout. Il refuse la réalité des LGBT, la réalité de notre société moderne diverse. Il ne fait rien pour donner de l'information précise nécessaire pour se protéger concernant la cyberintimidation, le sextage et ainsi de suite. Pourquoi le gouvernement veut retirer les informations essentielles aux jeunes pour demeurer en sécurité? Ministre, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci, Monsieur le Président. Contrairement à tout ce qui est toute la communication de la semaine dernière, le premier ministre, mes collègues, moi-même, nous allons défendre les étudiants parce que nous voulons leur montrer la réalité de 2018. Cela comprend le consentement, le texting, le sexting et ainsi de suite, intimidation. Il faut se pencher et ouvrir un processus ouvert pour s'assurer que chaque personne puisse se présenter et exprimer son point de vue. Je m'engage envers une consultation qui va obtenir la vérité dans la province et éliminer la fausse information que l'opposition essaie de démontrer. Et nous allons améliorer le programme d'éducation sexuelle présenté par le passé. States.
Veuillez vous asseoir. Prochaine question, député de Whitby. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Je voudrais le féliciter pour avoir été nommé ministre de l'Énergie et le travail qu'il fait pour rendre la vie plus abordable en Ontario. La centrale nucléaire de cette région est essentielle. Plus de 400 emplois dépendent de l'activité de cette centrale. Plus de 3 000 emplois à l'échelle de la province dépendent de l'activité de cette centrale. 5 700 emplois à l'échelle de la province. Pendant la campagne électorale, cependant, l'avenir de cette centrale a été menacé. Toronto, des intérêts ont essayé de fermer cette centrale en août et de mettre 4 500 familles au chômage. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre quelles mesures sont prises par le gouvernement pour protéger les 4 500 emplois de la région de Durham avec sa centrale nucléaire? Ministre de l'Énergie, je voudrais féliciter le député de Whitby pour j'apprécie son commentaire et son apport. Je suis fier, très fier, que le premier ministre Ford m'a nommé en tant que président et le député de Whitby de Durham. C'est un autre concept que l'opposition devra s'habituer. C'est-à-dire promesse faite, promesse tenue. Le premier ministre Ford était très fier avec ses travailleurs qui étaient préoccupés pour faire vivre leur famille à l'avenir. Si cette centrale fermait ses portes sous un gouvernement néo-démocrate, nous avons un plan offrir des services d'électricité haute efficacité. C'est la promesse faite. Ce sera une promesse tenue complémentaire. Back to the minister. De retour au ministre de l'Énergie. Merci de cette question. Excellente question. Excellente nouvelle pour la région de maintenir en exploitation la centrale, protège de bons emplois dans la province, mais c'est une excellente nouvelle pour les contribuables, les consommateurs, pour ceux qui créent de l'emploi, qui va permettre d'économiser des milliers de dollars sur la facture d'électricité. Des intérêts de gauche au centre-ville de Toronto voulaient fermer cette centrale et faire augmenter la facture d'électricité. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre quels seront les avantages de maintenir le maintien en opération de cette centrale et permettra aux Ontariens d'économiser. J'apprécie le commentaire de sa question. C'est un principe qui inspira ce gouvernement à prendre des décisions responsables qui permettent d'économiser. Imaginez le premier ministre et son engagement à gouverner pour la population et à maintenir la centrale de Pickering jusqu'en 2024. Cela permettra aux consommateurs d'économiser plus de 600 millions de dollars pour nous assurer que 60 % de notre électricité provient du nucléaire, comprendra cet actif important. Tout aussi important, nous allons nous assurer que 60 000 personnes en Ontario auront du travail dans la filière nucléaire. Ça comprend des compétences de tout genre qui travaillent dans nos provinces. Qu'est-ce que les néo-démocrates veulent faire et voulaient la fermer? Nous n'allons pas tirer des leçons de ce parti en matière d'économie d'électricité. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Député de Nicolbert. Ma question est pour le premier ministre. La décision du premier ministre de privatiser OIP+ ne va pas régler le problème, ne va pas aider les millions de personnes qui n'ont pas les moyens. Cela ne va pas diminuer le coût des médicaments. C'est une étape arrière. Alors qu'on a besoin d'un programme universel, comment est-ce que le ministre peut défendre pour privatiser PharmaCare alors que les gens de l'Ontario
paieront davantage pour leurs médicaments et une couverture plus faible. Premier ministre. Ministre de la Santé. Merci à la députée de sa question. Ce n'est pas ce qu'on va faire. On doit utiliser des ressources limitées pour les personnes les plus vulnérables, pour les personnes qui n'ont aucune prestation de médicaments. Voilà pourquoi on travaille avec les assurés. C'est ce que la population de l'Ontario souhaite. Complémentaire. La ministre semble ignorer la réalité. La décision de privatiser médicaments n'est pas responsable. Les économistes disent que la privatisation, c'est pas la chose à faire. L'économiste en chef, le Dr. Stephen Malkin, a dit que cela va frapper la classe moyenne. Cette coupe n'est pas à l'avantage des Ontariens. Et ma question est la suivante. Quels lobbyistes ont demandé au premier ministre de privatiser? Et pourquoi le premier ministre les écoute? Ministre. C'est une solution qui a du sens. Nous revenons sur une décision prise par le gouvernement précédent qui n'était pas logique. Nous allons aider les gens plus vulnérables, avoir davantage de médicaments. Il y a une situation que nous changeons, où les gens n'avaient pas accès à leurs médicaments parce que le formulaire était trop vieux. Nous voulons nous assurer que les assureurs continuent de couvrir les médicaments pour que l'argent soit disponible pour les gens qui n'ont pas de, ne sont pas couverts par une compagnie d'assurance. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Sault Ste. Marie. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Je voudrais féliciter l'honorable député de sa réélection et le rôle qu'il va jouer. La semaine dernière, un grand nombre de Témiscamingue ont eu peur lorsqu'il y a eu l'évacuation obligatoire en raison d'un incendie. Plus 70 incendies brûlaient et des centaines de pompiers essayaient de maîtriser la situation. Est-ce que le ministre peut nous informer des mesures de la part du gouvernement, de la part des premiers intervenants et de la sécurité de la population de la région? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Sault Ste. Marie. Bon retour au groupe parlementaire des conservateurs. J'ai hâte de travailler avec vous. Je voudrais remercier tous les pompiers et leurs familles à l'échelle de la province et à l'échelle de ce pays qui sont venus intervenir. Et le personnel est intervenu, travaille avec la PPE ou d'autres agences pour lutter contre cet incendie, pour s'assurer que les gens sont évacués de façon sécuritaire. Les communautés menacées ont répondu de façon calme. Je voudrais les remercier d'avoir collaboré également avec les services d'agence et leur coopération continue va permettre de maintenir les gens en sécurité touchés par ces incendies dans la région. Complémentaire. Merci, M. le Président. De retour au ministre. Merci, ministre, de votre question, de votre réponse, pardon. L'intensité de ces feux a demandé des efforts des premiers intervenants de tout l'Ontario. Je comprends que nous avons demandé de l'appui d'autres provinces également. Avec une coordination des efforts, a permis d'obtenir d'excellents résultats de façon opportune pour aider la sécurité et évacuer les gens en toute sécurité sans être blessés. Est-ce que le ministre peut donner de l'information détaillée concernant les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cet incendie pour maintenir la sécurité de la population de Témiscamingue? Merci encore de cette question. Oui,
Oui, nous avons demandé de reçoit de l'aide des provinces à l'échelle du pays. Et au nom du premier ministre et du gouvernement de la province, nous voulons remercier les premiers ministres des autres provinces qui ont aidé la population, qui ont envoyé des pompiers, des avions et des bombardiers d'eau pour maîtriser cet incendie. Je voudrais remercier les efforts du personnel de soutien consacré efforts pour aider pour les fils, les filles et les partenaires. Je voudrais tenir une promesse que nous allons les appuyer pour lutter contre ces incendies à Temagami et ailleurs en Ontario pour assurer leur sécurité. Je voudrais remercier chacun d'entre eux. Je voudrais rassurer la Chambre et le gouvernement continue d'assurer le suivi. Et je vais continuer à vous donner un suivi sur une base régulière. Député de Waterloo. J'ai une question difficile pour le premier ministre. Une des premières actions, c'était d'avoir un gel du secteur public. Lorsque vous gelez le secteur public et empêchez de travailler pour la province, vous fermez la fonction publique avec le congédiement d'un grand nombre de bureaucrates ou de scientifiques, des représentants à Washington, et la liste continue. Déjà, on a vu un modèle avec votre gouvernement débarrassé de ceux qui peuvent être critiques de votre mise à jour. Est-ce qu'il a imposé un gel pour que vous puissiez les remplacer avec vos propres bureaucrates qui vont être des... Oui, monsieur. Oui, premier ministre. Merci, monsieur le président. Je voudrais remercier ma famille qui m'a appuyé pendant ma campagne électorale et les gens de ma circulation de Pequick-Uxbridge. Le gouvernement s'engage à améliorer l'efficacité du gouvernement, que ce soit le secteur et d'avoir un budget équilibré pour la population. Et le gel, la fonction publique, a été la première mesure prise pour équilibrer le budget. À cette fin, c'est-à-dire de demander à tous les ministères d'avoir un gel pour bien comprendre la situation financière de l'Ontario. Monsieur le Président, soyons clairs, le gel ne s'applique pas aux premiers intervenants comme les enseignants, les infirmières. Sera mis en place de manière à s'assurer que le gouvernement est en mesure de maintenir les services de la province que les gens méritent. Merci. Merci. C'est la fin. C'est tout le temps que nous avions pour la période de questions. Lorsque vous parlez en cette chambre, lorsque vous vous levez, que vous avez été reconnu par le président et vous parlez respectueusement des autres, député de Bruce Gray-Owens, ça rappelle au règlement, je voudrais vous présenter Buck David de Cancer Canada, un survivant et un citoyen fier de ma circonscription. Bienvenue. Ministre de l'Éducation, rappel au règlement, je voudrais apprécier le travail des pages. Merci. Merci de nous aider pendant la période de questions. Je voudrais remercier le personnel de l'Assemblée législative pour tout le travail qu'ils font pour préparer à cette session particulière ou exceptionnelle pendant l'été. Ils ont fait un travail exceptionnel. Et tout le personnel qui travaille pour l'Assemblée législative de l'Ontario. Merci beaucoup. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, cette Chambre fait pause jusqu'à 13 heures.